D'ailleurs, on sait qui va jouer Rémi. Alors, j'ai deux explications. S'il joue Rémi Conceitti, il est vraiment téméraire, j'ai envie de dire. Alors, soit il a vraiment extrêmement confiance, soit au contraire, il a zéro confiance et il Oh veut juste mon s'amuser. Dieu. Il veut juste Eh s'amuser, il veut faire ben, des dingueries en stream. ouais. Voilà, ouais, je t'en fais pas. C'est qui d'ailleurs qui ne main pas Racen, qui main Utsuro, mais qui. Alors, Ah, c'est je peux Raiden, imaginer ouais. deux raisons pour lesquelles il entraîne Racen. Faut savoir que Racen c'était son premier main, et il a toujours joué hein, quand même de temps en temps, mais après avoir passé à Oku. Et vous voyez quand même qu'il maîtrise assez vraiment pas mal le perso. Vous Ah allez voir oui, des parce dingueries que. surtout. Et. Ah oui, en plus Raiden, c'est pas les combos les plus simples à mettre des fois. Oh, ce Oh le cross-up! Jinja Ce contre, cross-up, j'ai de ça! magnifique. Alors, ouais, un truc que vous savez probablement sur moi, c'est que je suis un grand enthousiaste de Racen. J'adore ce personnage, c'est mon main. Mais en plus, Ah bon, t'es c'est. sûr? J'avais pas remarqué. Mais en plus, c'est un grand personnage de confort pour moi. Donc, Ah ben. j'adore voir la Racen de Seki. Voir toutes les bonnes Racen, en fait. Bah ouais. Je peux penser à une autre raison pour laquelle Seki sort pas mal Racen en ce moment, c'est entraîner le personnage pour les match-ups avec lesquels il a vraiment du mal contre Utsuro, notamment Racen elle-même, parce que Racen est un personnage très très fort, SS tier unbeatable, tout ce que vous voulez. On blague évidemment, mais le perso est assez puissant. Très 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 puissant, oui. Non mais je suis le premier à l'admettre, attends, t'as vu tout ce Ah qu'elle bah, on l'admet tous, on l'admet tous, on l'admet tous. Ah là là là. Magnifique utilisation du Ah Zeta. Ok. ouais. Ouais, attends, j'ai pas fait gaffe, mais Nixie qui de ouf Ouais, en marche, hein. Nixie qui se laisse pas faire, hein, genre je parle de Ah Seki et oui. de Racen, mais Nixie quand même qui n'a pas dit son. Bah, Ouais, qui. Nixie a quand même travaillé un peu Remedia, faut pas croire. Ouais, Nixie, c'est pas comme genre tout à l'heure, genre la Yukari de Noi, quoi. Parce qu'à mon avis, il a pas beaucoup Ouais, joué ouais. Yukari, mais. Non, Nixie, il a une vraie Remi. Ah, LRE. Le fameux, ouais, Il LRE. est un peu Alors. Fred Eyes. LRE qui est juste une des meilleures spellcards du jeu et sans doute la meilleure spellcard de Racen, donc c'est une 5SE qui fait des dégâts massifs et qui peut se confirmer à partir de n'importe quel move. Voilà. Enfin Pour presque vous dire, n'importe quel c'est move. plus. Ouais, c'est plus simple en fait de lutter les moves qui ne le confirment pas que les moves qui confirment LRE. Exactement! Ah, je veux l'Igraze à travers la Gungnir, voilà. Ouais, très propre. Du coup, c'est qui va prendre cette première game de manière relativement impériale, même si quand même ce second round était relativement tendu, faut le dire, hein. Ah ouais, en effet, Nixie, il s'est bien défendu là. Il aura réussi à lui faire perdre pas mal de vie, franchement, bah bravo. Bravo à lui. Franchement, sa armée Non, attends, est Nixie qui pas demande, trop il mal. prend qui game 2? Alors, Nixie, Ah. vas-y prends Racen. Si tu veux vraiment demander, Non, vas-y mais non. prends Racen. Il le fait vraiment, me dis pas qu'il le fait vraiment. Bah, il vient de me le demander sur le chat là. Je sais pas s'il Oh va le non, faire, oh non. mais. Oh mais. Oh putain, non, ne dis pas. S'il te plaît, dis-moi qui l'a fait. Putain, c'est Eki qui taunte un peu en disant j'aurais eu le temps de gagner le second match, choisis un perso. Oh putain, il a dit ok. Ah bah non, il va Oh, prendre il a pris ici, la meilleure. non! Bien Oh là sûr, là bien là là, sûr. mais ce. Voilà, Ah bah, en fait, enfin, c'est. Nixie, là, il est là pour rire. En fait, Et il a il bien m'a pas raison. juste. En fait, c'est pas qu'il m'a désobéi, c'est que Pinky lui a dit de prendre Cyrano, je pense, avant qu'il m'ait entendu, et du coup, il a pris Cyrano. Possible. Bon, Nixie qui a vraiment décidé de s'amuser. Écoute, il a. Le fait qu'il Ouais, a. bah, il a bien raison, hein. Ouais, écoute, c'est un jeu vidéo. Mais aussi. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il a pas trop envie de travailler le reste de la phase de poule parce qu'il a déjà eu une victoire et ça garantit qu'il bouge dans la phase finale parce que c'est des poules de 4 et dans chaque poule Ouais, c'est toujours le dernier, ouais. Ouais, 3 participants Enfin, vont c'est le dans la dernier qui est phase 2. éliminé. C'est Ouais. ça. Par contre, ouais, c'est qui Voilà, c'est qui, J'aime bien la blague, mais faut pas abuser. Ah non, c'est qui il est là pour gagner quand même, faut. Voilà. Ouais, écoute, hein. Il a un titre à récupérer, on va dire, entre guillemets, même s'il n'y a pas Ben. d'Asia cette fois-ci. Ouais, parce qu'il faut savoir que dans le dernier tournoi FR Only qui a été organisé par Toroboru, une association suisse, qui fait de très bonnes choses, allez les check, dont du coup des tournois Soku, de temps en temps sur le serveur FR. Ouais, tu peux pas graze LRE Dommage. éternellement, ça détruit tes orbes. Je dis ça comme ça, je croyais eu 3 et t'as mis 3000, hein. Ouais, c'est LRE, c'est fort, hein. Non, le truc c'est que un seul coup de LRE, ça met déjà beaucoup de dommages. La seule raison pour laquelle ça met pas genre plus de ta barre de vie en entier à chaque fois, c'est à cause du combo scaling parce que chaque coup bah voilà, ça affecte le combo scaling donc Ouais ça fait de moins en bah moins réduire les dégâts. de dégâts. Mais genre si tu te prends juste quelques Putain, coups. cross-up de J2A, il est sale. Ouais. Racen d'ailleurs qui a parmi les meilleurs cross-ups du jeu, sinon genre vraiment les meilleurs entre bah le J2A qui c'est assez facile de voir pourquoi c'est un bon move pour le cross-up.
Mais en plus, il y a le 6A, aka le Super Udonge Punch, qui a des propriétés. On l'a pas vu d'ailleurs, mais peut-être vous le verrez plus tard. Parce que c'est qui compte jouer Saisen tout le tournoi. Haha. Ouais.